Bonjour, cette semaine nous apprenons les verbes en IR. Aujourd'hui nous allons également apprendre quelques mots concernant le voyage en avion. Pour commencer, nous allons voir une femme et un homme qui discutent dans un taxi. Bonjour madame, vous allez où? Bonjour, à l'aéroport s'il vous plaît. Vous avez 3 valises. Est-ce que vous partez en vacances? Oui, je pars en Angleterre. Est-ce que vous partez aujourd'hui? Non, je ne pars pas aujourd'hui. L'avion part demain matin. Où est-ce que vous dormez cette nuit? Je dors à l'hôtel à côté de l'aéroport. Voilà, nous sommes à l'aéroport. Bon voyage. Bonjour madame, vous allez où? Bonjour, à l'aéroport s'il vous plaît. Vous avez 3 valises. Est-ce que vous partez en vacances? Oui, je pars en Angleterre. Est-ce que vous partez aujourd'hui? Non, je ne pars pas aujourd'hui. L'avion part demain matin. Où est-ce que vous dormez cette nuit? Je dors à l'hôtel à côté de l'aéroport. Voilà, nous sommes à l'aéroport. Bon voyage. Bonjour madame, vous allez où? Bonjour, à l'aéroport s'il vous plaît. Vous avez 3 valises. Est-ce que vous partez en vacances? Oui, je pars en Angleterre. Est-ce que vous partez aujourd'hui? Non, je ne pars pas aujourd'hui. L'avion part demain matin. Où est-ce que vous dormez cette nuit? Je dors à l'hôtel à côté de l'aéroport. Voilà, nous sommes à l'aéroport. Bon voyage. Je pars en Angleterre. Écoutez, répétez. Je pars en Angleterre. Est-ce que vous partez en vacances? Écoutez, répétez. Est-ce que vous partez en vacances? L'avion part demain matin. Écoutez, répétez. L'avion part demain matin. Az iménti szituációban egy nőt és egy férfit láthattak, akik egy taxiban beszélgettek. A párbeszédben többször is hallhattak IR végződésű igéket, amelyekkel ezen a héten foglalkozunk. Az első példamondatban egyes szám első személyben van ragozva az ige, Angliába utazom. Je pars en Angleterre. A most látható mondatban a magázódás miatt többes szám második személyben van ragozva az ige. Ebben az esetben is le lett választva a szótő, és így lett hozzáadva a megfelelő toldalék. Nyaralni megy. Est-ce que vous partez en vacances? Ennél a példamondatnál egyes szám harmadik személyben van elragozva az ige, mert a repülőgépről van szó. Ebben az esetben szintén a szótő után kell tennünk a ragot. Az ige írásánál erre oda kell figyelni, mert bár kiejtésben ugyanaz, mint egyes szám első és második személyben, ha leírjuk az igét, S helyett T betűt kell tennünk az ige végére. A repülőgép holnap reggel indul. L'avion part demain matin. Pour terminer, nous allons apprendre quelques mots concernant le voyage en avion. L'aéroport. La valise, l'hôtel, l'avion. Pour terminer, nous allons apprendre quelques mots concernant le voyage en avion. L'aéroport, la valise, l'hôtel, l'avion. Au cours de la leçon suivante, nous allons pratiquer les verbes en IR et nous allons également apprendre quelques autres mots concernant les vacances. A következő órán gyakorolni fogják az IR végű igéket és további a nyaralással kapcsolatos szavakat fognak tanulni. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.m5tv.hu.